J'invite de ce journal Le Girondin, Patrick Malvaes, le président du syndicat national des discothèques. Merci d'être avec nous. On a envie de vous demander pourquoi ces deux poids, deux mesures entre les bars et les boîtes. On a du mal à comprendre. J'aimerais bien que vous m'apportiez la réponse. Le pourquoi, je suppose que c'est parce que les discothèques sont des lieux de rencontre, d'échange, et qu'on suppose que le Covid, c'est l'ennemi premier de la rencontre et de l'échange. Mais si on voit ce qui se passe dans notre société, on voit bien que ça a lieu ailleurs de façon complètement débridée. C'est le grand n'importe quoi en ce moment. En Ille-et-Vilaine a entamé une grève de la faim. Près de 500 établissements, un tiers des boîtes de nuit pourraient disparaître. La situation est vraiment critique. La situation est critique, c'est 7 à 8 000 personnes qui vont perdre leur emploi, qui vont se retrouver sur le tapis. Pour vous donner une idée, c'est ce qui se passe actuellement avec l'aéronautique française. Sauf que l'aéronautique française, elle a eu 5 milliards d'avance et d'aide, elle va en avoir 3 milliards de plus et nous, on n'a rien du tout. En plus de ça, c'est 1 600 professionnels, je dis bien 1 600, qui sont propriétaires de leur entreprise, qui ont gâché tous leurs biens et qui ont des dettes et qui doivent faire face à leur nourriture au quotidien, qui n'ont plus de salaire et qui vont se retrouver aussi au tapis. Alors, et si on emploie les Patrick Malvaes, justement, quels sont vos recours très concrètement et que vous dit pour l'heure le gouvernement ? Pour l'instant, moi, je viens d'avoir une conversation avec Jean-Baptiste Lemoyne, qui est le ministre du Tourisme en charge. Le gouvernement nous dit qu'il va prendre des mesures d'accompagnement, parce que j'ai demandé des mesures d'accompagnement très précises, mesures financières d'une part. Le régime actuel d'activité partielle doit être poursuivi. Il faut qu'il y ait un fonds de solidarité. Actuellement, il est de 1 500 euros pour les exploitants. Comment voulez-vous qu'ils puissent vivre avec leur famille? Il va falloir le pérenniser. Il y a le problème des loyers. Vous ne payez plus votre loyer, vous pouvez être mis à la porte. Des loyers commerciaux, je vais dire, vous pouvez perdre votre fonds de commerce et c'est gravissime. Ça, il faut absolument geler ça. Il faut un PGE, c'est un prêt garanti par l'État qui permette d'injecter de la liquidité des entreprises et il faut rééchelonner toutes les dettes parce que les banques ne jouent absolument pas le jeu. Donc Patrick, il faut que Bruno Le Maire prenne des décisions. Les boîtes de nuit, elles jouent aussi un rôle et sans faire de la psychologie de comptoir, on peut s'étonner de la multiplication des grandes bagarres de rue ces derniers temps en Aquitaine. On l'a vu à Agen, on l'a encore vu récemment à Bordeaux. Écoutez, ce matin, j'ai eu une interview d'un de vos confrères de Bretagne qui me disait exactement la même chose et qui me téléphonait. C'est vrai qu'actuellement, c'est la chienlit dans les rues. Parce que, bien entendu, les discothèques, c'est un lieu où il y a un exutoire. Quand les jeunes y sont, on sait d'abord, ils sont sédentarisés. Ensuite, leur trop-plein de vivacité, il a lieu dans les discothèques avec un personnel qui les contrôle, qui les surveille. Là, maintenant, ils sont renvoyés à la rue. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir ce qu'on appelle le binge drinking, c'est-à-dire la biture exagérée avec de l'alcool acheté dans les supermarchés partout. Il va y avoir les piano-bars, les bars ambiance musicale, on l'a vu ce week-end, qui débordent et qui font n'importe quoi. Il n'y a pas de mesure de confinement, il n'y a rien du tout. Il va y avoir des bagarres, il va y avoir des voitures qui vont être caillassées, il va y avoir des gens qui vont être agressés. Mais on va le voir, on va le voir. Il va y avoir une pression terrible sur la police et la gendarmerie. Je vais être le premier à faire le décompte. Et croyez-moi que je ne suis pas du genre à laisser passer les choses. Donc actuellement, on voit bien comment les choses se déroulent. En plus de ça, c'est des vacances franco-françaises qui se profilent à l'horizon. Donc les jeunes de Paris, de la région... situation d'urgence. Je vous remercie beaucoup Patrick Malvaes. Voilà. Merci d'avoir répondu en direct à nos questions depuis la Thaïlande où vous êtes toujours confiné depuis le début de cette crise sanitaire.